Hélène, quelle recette aujourd'hui? Aujourd'hui, une poule faisane qu'on va cuisiner comme une poule au pot, tout simplement. On fait la farce? On commence par la farce. On a mis les 100 g de jambon, les abats, un demi-oignon, la demi-gousse d'ail, le jaune d'œuf, une cuillerée de persil concassé, 15 g de mie de pain et les 5 centilitres de crème. Petite pointe de sel, toute petite. Sel à peine. Là, du oui, poivre, voilà, là. Il faut que ce soit bien relevé quand même. Maintenant, on garnit la poule? Voilà, on va farcir la poule. On plie le croupion, voilà, le croupion. Et on va ficeler. À l'intérieur. Bien ferme pour que la farce ne puisse pas s'échapper. Pour ça, on utilise une aiguille à brider. Voilà, une aiguille à brider et de la ficelle de cuisine. Et maintenant, il ne reste plus qu'à brider les pâtes pour lui donner une belle forme. On va la cuire. Le bouquet garni. Le bouquet garni, deux clous de girofle, du poivre en grain et une bonne pincée de gros sel aussi. On rajoute le litre de bouillon de volaille. Voilà. Et on complète avec de l'eau froide. Voilà, exactement. Et là, on va la cuire 35-40 minutes à peu près. Pour que la farce soit cuite voilà, à l'intérieur. Voilà, hein, exactement. Et après, on rajoutera les légumes. Et on la cuit à frémissement. Voilà. Ça fait maintenant 35-40 minutes, on va ajouter les légumes. On va recouvrir. On va couvrir encore. Là, les légumes ont presque 30 minutes. Voilà, donc là, ils doivent être bien cuits, pas de problème. On a pris soin de dégraisser, d'écumer régulièrement. La poule est toute belle. On va la mettre dans un saladier. Oui, on va recouvrir un peu de bouillon pour qu'elle ne sèche pas. Et on va récupérer les légumes, les égoutter. Alors je crois que tes légumes, là, tu leur fais subir une préparation. Voilà, alors juste un peu de graisse de canard dans le fond de la poêle. Et on va ranger nos légumes. Sur les carottes, on rajoute une toute petite pointe de sucre. Sur les navets également, quelques petites gouttes du bouillon. Une assiette dessus. Alors on va retirer notre poule, on va retirer les ficelles. Et maintenant, on va finir nos légumes. Un peu de mousse de foie gras, c'est ce qui va lier nos légumes. Exactement. Un tout petit peu de bouillon. On met un petit tour de moulin dessus. Je pense que ça le mérite, oui. Donc, on dispose les légumes autour. Tout autour. On reporte à bouillir. On va rajouter une petite touche. On va le verser sur les légumes. Hélène, c'est un plat, je crois, que tu proposes à ta carte actuellement. Et oui, bien sûr, en pleine période de chasse. Et alors, un petit conseil pour le déguster, juste une pincée de sel de Guérande et une petite salade de tomates. Ça doit être super. Voilà. Au revoir. Et bon appétit, bien sûr.